Clémence. Kérian. Je m'appelle Adèle. Donovan. Manon. Loredana. Je m'appelle Amandine. Arthur. Maud. Céline. Alessio. Célia. Lucie. Kevin. Louane. Éline. Moi c'est Benoît. Chanel. Margot. Mathilde. En bac 3, socio-anthropo. Je suis en master 2. En bac 3, ESHS, meilleure option infocom. Master 2. Je suis en troisième bachelier, option GRH. En master 2. Bac 3, meilleure option, sciences politiques. Master 2. Épanouissement. Unique et enrichissant. Enrichissante. Très enrichissante. Rencontre. Amitié. Incroyable. Inoubliable. Vraiment l'esprit SHS, quoi. Esprit familial. Familial. Famille. La famille. Très humain, très ouvert et hyper cool. Humain. Une école de vie. Un lieu de réconfort où on va pour débriefer des examens et... Les pauses avec les camarades dans le local, entre les cours. Canapé et amis. Ça va faire cliché, mais famille. 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 La famille. La famille. Ouais, la seule grande famille aussi, mais du coup j'irais plus amis pour la vie, là, vraiment. Bienveillance. Des amours bienveillants, engagés, passionnés et passionnants. À l'écoute. Toujours à l'écoute. La famille. De sacrés numéros. Des gourous. Un master en anthropologie. Transmettre, continuer à apprendre de l'expérience des autres. Je sais pas du tout. Un master en gestion des ressources humaines. J'envisage de faire un voyage humanitaire. Aucune idée. J'espère de la recherche universitaire. Un master en journalisme. Dormir. Le sens de l'investissement en une cause. Une certaine ouverture d'esprit. Et puis, ça m'a permis de me réaliser sur mes idéaux politiques. Ma construction personnelle. Le mot principal, c'est maturité. Ça m'a appris à ouvrir les yeux, à ouvrir mon esprit critique et à toujours chercher un peu plus loin que ce que je vois. Une ouverture d'esprit et des rencontres inoubliables. Des rencontres. Plein de rencontres. Vraiment, les clés pour comprendre le monde et surtout aussi l'envie de le changer, quoi. Tout. C'est la famille que j'ai trouvée ici, c'est passer les portes de l'université et me sentir chez moi. Cette solidarité et la proximité avec les professeurs. La bonne ambiance de classe et l'entraide avec les camarades. L'ambiance. Vraiment la bonne ambiance avec les étudiants, pouvoir toujours venir dire coucou à l'AG, jouer une petite fléchette. Les gens. Les gens, les amis, la famille. Vous tous. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de notre cursus universitaire, notamment les enseignants, tous les employés comme le secrétariat, également ceux qui participent à la gestion des locaux
et aussi les étudiants qui animent la vie étudiante. Bah, je voulais vraiment remercier tous les professeurs et tous mes amis pour ces deux super belles années que j'ai passées. Alors je dirais pas merci tout de suite parce que justement je continue en SHS pour mon master, mais vivement l'année prochaine en tout cas. Merci pour tout à tout le monde et puis changez rien, sauf droit. Merci de m'avoir aidé à grandir, de m'avoir soutenu et d'avoir cru en moi. Merci aux profs qui ont réussi à me transmettre une partie de ce qu'ils savent. Merci aux étudiants quand je suis arrivé qui m'ont impliqué. Et merci aux étudiants de maintenant de continuer à apprécier ce que je fais pour la fac. Et moi, c'est vraiment une de mes grandes fiertés, quoi, personnelle. Merci à tous mes camarades qui m'ont accompagné pendant toutes ces années et merci à tous les professeurs aussi qui nous ont suivis du coup. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. À bientôt, j'espère. Merci pour ces belles années. Merci les gars. Merci à tous pour toute cette expérience. Merci pour ces belles années. Merci. 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 Merci pour le métis parce qu'il fallait vraiment l'inventer. Merci, mais si on pouvait retourner en première, ça s'est passé beaucoup trop vite.